Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partir sur une séance plaisir et ça sera une petite séance parce que je vais faire, je pense, que 1 km. Vous avez, je vais essayer de travailler l'horizontalité, la tonicité, aller chercher loin, allonger mes mouvements parce que j'aimerais, en fait, j'ai des problèmes de dos en ce moment, donc je vais travailler là-dessus. Et donc c'est parti, let's go. De dos, donc la piscine c'est très bon, ça muscle l'ensemble du corps et les médecins le recommandent justement pour tout ce qui est mal de dos. En revanche, vous allez éviter tout ce qui est nage comme la brasse, le papillon, parce qu'en fait ça vous oblige à relever la tête, ce qui tire sur les cervicales, sur les vertèbres, les lombaires. Donc vous allez préconiser plutôt la nage sur le dos crawlé, le crawl, et vous allez essayer à chaque fois de vous étirer le plus possible, d'aller chercher loin. Tout ça, ça va faire du bien à votre dos. Ce qu'il faut en fait faire quand on a mal au dos, c'est surtout ne pas rester inactif, parce que ça c'est ce qui vous tue en fait. Il faut toujours être en mouvement. Il y avait une dame dans les commentaires qui m'avait demandé les exercices qu'on pouvait faire avec une frite quand on a des problèmes de cervicales, il me semble. Donc là je vous montre comment vous pouvez faire les différents exercices que vous pouvez faire avec la frite. Donc comme je disais juste avant, c'est pareil, quand on a des problèmes de cervicales, on va essayer de ne pas relever la tête. Donc on va privilégier les nages sur le dos, mais vous pouvez néanmoins travailler aussi avec un tuba frontal, ce qui en fait ne nécessite plus du coup de relever la tête pour pouvoir respirer. Terminé votre séance, n'hésitez pas à vous rajouter à la fin un petit moment plaisir, comme par exemple s'il y a un jacuzzi, aller un petit peu dans le jacuzzi, profiter des bulles pour vous masser le dos justement. Vous pouvez aussi faire du sauna ou faire quelque chose que vous appréciez. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est passer un petit peu de temps sous l'eau.